106, 123. L'essence même de nos civilisations a disparu. L'homme
Et la femme africaine du Soudan est aujourd'hui, ou sont aujourd'hui dénaturées de leur identité vraie. Et cela, ce n'est pas parce que Napoléon et ses amis ont pillé, ont massacré. C'est parce que toi et moi, nous ne faisons rien. C'est parce que les héritiers de ces patrimoines, nous n'agissons pas. Nous laissons faire et nous acceptons. On ne demande jamais à un voleur la permission de pouvoir récupérer ce qu'il a volé. Alors, il est tellement triste qu'il faut aller à la maison. Ça ne bouge pas. On peut même pas. Ça ne bouge pas. On peut même pas. Donc, quand on parle de demander l'autorisation et la permission, c'est qu'elle a été tellement vénérée que vous voyez tous les essais que nous sommes en train de faire, ça ne bouge pas. Connaissons la nature sacrée de ça. Nous ne pouvons les détériorer. Nous ne pouvons le casser. Mais nous sommes là pour ne pas demander la permission, ni jamais demander l'autorisation à un voleur pour récupérer ces. Donc, nous sommes où? Nous sommes au musée de Saint-Rémy. Parce que, je vous rappelle l'histoire. En France, il y a deux villes seulement où l'on peut trouver le musée destiné uniquement et spécifiquement aux Arts de Mille. Il y a le musée de Quai Branly, notamment à Paris, d'où nous étions, et il y a le musée de Marseille, donc le musée des arts africains, océaniques et américains. Vous trouverez ici le patrimoine de nos ancêtres en Océanie, en Australie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, chez les Kanaks et tout consort. Ces patrimoines qui a été pillé, qui a été vidé de leur sens, parce qu'il fallait humilier. Partout où on trouvait l'homme noir, où on trouvait l'homme sorti d'Afrique, il fallait démontrer devant la face du monde qu'il ne possédait ni savoir, ni technique, ni connaissance, ni art de vivre, et qu'il était un animal, ce qui justifiait la barbarie de la colonisation, de l'esclavage et tout consort. Donc, aujourd'hui, justement, nous sommes dans ce musée Mawa, donc musée des arts africains d'Océanie et d'Amérique. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer notre patrimoine, ce qui nous appartient. Ne demandez jamais d'autorisation à un voleur pour récupérer ce qui vous appartient. Nous n'avons même pas le temps d'expliquer aux voleurs pourquoi on veut récupérer notre patrimoine. Mais notre patrimoine nous appartient. Donc, si l'enfance, il sera détérioré. Si l'enfance, vous voyez déjà, c'est un artefact qui dépasse 5 000 à 6 000 ans. Donc, nous sommes en train d'essayer, là, évidemment. On n'y arrive pas parce qu'il est vraiment, vous voyez, il y a ça, il y a ça, il y a des choses déjà, et ça a été vissé. C'est ça. Donc, j'ai accompli mon devoir de bien vouloir, s'il vous plaît, de chercher, parce que nous n'avons pas l'habitude de demander l'autorisation, mais regardez comment est-ce que c'est coincé. C'est coincé, bien évidemment, parce que le voleur a pris soin de pouvoir bien le maintenir pour justement nous empêcher de venir récupérer. Là, je répète, l'erreur la plus grave commise, c'est parce que nous n'agissons pas, nous laissons faire. Et cela continue. Alors le moment est venu de récupérer notre patrimoine, de récupérer notre patrimoine culturel, historique, mais aussi territorial. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de la Mauritanie que nous sommes en train de perdre, du Soudan que nous sommes en train de perdre. Et ces artefacts doivent répartir sur la tête de nos ancêtres, notamment en Égypte, parce que c'est un patrimoine antique qui nous appartient et édifié et mis en place par nos ancêtres, par vos ancêtres, par ceux dont les génies, jusqu'à preuve du contraire, demeurent inégalés. Par ceux dont la nature même, de la quintessence et de la noblesse de la civilisation, donne le véritable visage humain du Bumbuntu, de l'Ubuntu, de l'homme et de la femme sortie d'Afrique. Mes chers compatriotes, ce musée, vous savez le rôle qu'a joué la ville de Marseille dans l'histoire nationale de la France. Donc, le jumelage entre Paris et Marseille, c'est justement ce jumelage que l'on a fait, que Bondy et ce musée des arts africains, océanique et américain pour venir récupérer le patrimoine propre à nous-mêmes. Donc, vous avez vu, nous sommes venus. C'est fixé. Donc, tellement coincé. Tellement coincé. Donc, on continue. On va aller trouver autre chose. Il y a le patriarche qu'il faut aller voir. Organiser des sorties pour que les ados et les jeunes viennent voir ce qui se passe. Jamais vous ne verrez les corps de Jésus-Christ. Jamais vous ne verrez les corps de David et de Moïse. Voici le corps véritable et la preuve vivante, l'illustration parfaite que nos ancêtres ont vécu. Lorsque le professeur Tchèque demande juste quelques millimètres de peau pour
pour confirmer selon la science qui est devant la face du monde, ça lui a été refusé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent aujourd'hui au nom de la anthropologie, je ne sais pas, dénuder nos ancêtres. Voilà, vous voyez bien là, il y a le cadavre, il y a le corps. Il y a le corps dedans. Dedans. Oui. Ils sont en train de dénuder dans nos ancêtres, de violer leur intimité, leur paix paisible, d'où ils devaient reposer en paix. Ça doit répartir et intégrer sur la terre d'Afrique. Parce que ce sont ces énergies-là qui permettront à notre belle patrie d'Afrique d'aller de l'avant. On y va, on continue. Donc, comme vous comprenez, nous sommes en train de chercher ce qui nous permettra d'être, de le prendre et de le ramener à la maison. Donc, j'ai essayé de tout tester, là, ça n'a pas marché. Donc, on y va. Donc, comme vous comprenez, nous Il est temps, mes frères et sœurs, vraiment de se réveiller parce que l'heure est grave. L'heure est grave, hein. Des choses qui se passent derrière vos dos, là, mais... Deuxième fois, Réveillez-vous. Sortez de votre sommeil. C'est grave. Hein? Vos ancêtres sont exposés dans les musées. Vos objets sacrés sont exposés dans les musées. Vos artefacts sont enfermés dans les vitres. Vos ancêtres sont enfermés dans les musées. Hein? Et même les ossements, merde. Avec les sarcophages et tout. Merci, monsieur. Voilà. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Pour que le peuple vive dans le respect de leur culture et de leur identité.
Récupérons ce qui a été volé. Haché. Anafia. Voilà, Anafia. Les enfants, Anafia. Les descendants de ceux qui n'ont pas réussi Anafia. À tuer, nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Nos patrimoines vont rentrer chez nous, parce que tout ça, c'est à nous. Ils nous ont dépossédés de nos richesses, de nos patrimoines, notre savoir, ils ont tout dépossédé. Alors, on vous avait dit, on vous l'a annoncé, nous allons faire la tournée des musées et récupérer tout ce qui appartient à l'Afrique. L'Afrique récupère ses biens culturels, ses objets sacrés. Voici pourquoi nous sommes là. Et on vous donne rendez-vous à l'appel citoyen lancé par les citoyens sur Facebook ce samedi, 15h, au musée du Quai Branly. Sortez. Vous, les soi-disant kémites, sortez. Vous, les soi-disant afro-descendants, sortez. Aujourd'hui, nous sommes là pour récupérer ce qui nous appartient. Tout ça, c'est à nous. Et historique, parce que ça nous appartient, madame. C'est nos biens. On n'a pas le droit de finir. Nous sommes venus récupérer nos biens. Eh, perds pas ton temps. Nous sommes venus récupérer nos biens. Ce qui nous appartient. Nous sommes en direct non. De Marseille, comme vous voyez, c'est une action militante, résistante, pour montrer que la France, les pays européens, il est temps de rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Nos objets sacrés, culturels, on doit les retourner dans les pays africains. Ces musées s'enrichissent, mais ne versent pas un centime aux descendants, aux afro-descendants, aux Africains. Ces objets ont été pillés en tuant, en violant, en découpant des têtes, en coupant des mains. Ils disent que nous n'avons pas de civilisation. Si nous n'avons pas de civilisation, que font-ils avec nos objets dans leur musée? Si nous n'avons pas de civilisation, comment se fait-il que 3500 ans avant Jésus-Christ, nous avons récupéré la lance de nos ancêtres? De nos guerriers ancêtres, on le touche et on sort. Voilà. Il est temps de rendre. Nous récupérons de notre patrimoine historique. C'est exactement. Ce qui a été pillé. Nos ancêtres depuis l'Afrique, depuis l'Océanie et l'Australie, ont été vidés de leur patrimoine historique, culturel et sacré. Et voici le moment aujourd'hui venu pour nous de récupérer ce qui nous appartient. Le savoir et le génie de nos ancêtres, qui depuis Belle-Urette, depuis des siècles et des décennies, ont été dépossédés de leurs richesses. Ils ont été pillés, esclavagisés, humiliés et bannis de l'histoire de l'humanité. C'est où la sortie? Donc, c'est la sortie, sœur. Nous sommes venus aujourd'hui récupérer. Nos ancêtres depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été dépossédés. Nos ancêtres depuis l'Australie ont été dépossédés de leur patrimoine. Nos ancêtres depuis l'Afrique ont été dépossédés. Donc nous voici aujourd'hui venus récupérer ce qui nous appartient, ce qui nous a été pillé, ce qui nous a été volé. Comme on ne demande pas la permission, l'autorisation au voleur pour récupérer ce qu'il a volé, voici nous avons récupéré notre nom. Marc, t'es sur la salle. Nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. On est à Marseille. Nous sommes là en direct de Marseille. Si ça bouge, je savais vous venir nous chercher. On est à Marseille. Ce samedi, on est au musée MAO de Marseille. Au musée du Quai Branly. Sortez. Tous les niveaux Branly, à 15h. De toute façon, fais les incantations. Aujourd'hui, je suis venu ici. Nous sommes venus ici pour porter cet acte. Qui va sortir avec? Enfin, que toutes les consciences et l'humanité entière se posent la question. Devons nous laisser, devons nous donner raison aux prévaricateurs, aux voleurs? Est-ce que sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale, sur le plan spirituel, est-il normal de donner raison aux prévaricateurs, à ceux qui ont pillé, à ceux qui ont volé, à ceux qui ont détruit notre patrimoine, à ceux qui ont vidé
l'Afrique de sa richesse. Est-il normal? Est-il normal sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale? C'est pas grave, on a resté. On prépare leur prépare. C'est fermé. Ils nous ont bloqués. Vous voyez le pire, on attend la police. Oui, mais on va attendre ensemble. Je vois pas tout ce qu'on veut. Eh, c'est vous qui venez de me pousser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui venez de me pousser. Vous allez agresser qui là? J'agresse personne. C'est vous qui venez de me pousser. Calme-toi, tu fais non. C'est lui qui vient de me taper. Vous allez agresser qui? C'est lui qui vient de me pousser. Au nom de la Ligue de défense nord-africaine. Aujourd'hui, au nom de l'unité d'unité. Au nom de Dieu, on reste là. Est-ce qu'au niveau du peuple africain, au niveau moral, est-il normal de donner raison à ceux qui ont pillé? Est-il normal de donner raison à ceux qui ont éventré des femmes, massacré et violé des enfants? Est-ce que la société occidentale permet-elle aujourd'hui des crimes inhumains? Est-ce que la société occidentale, mesdames et messieurs, hommes et femmes, êtes-vous complices de ces crimes odieux, de cet assassinat, de tous ces crimes qui ont été perpétrés sur le terre de l'Australie, sur le terre de l'Océanie, sur le terre de l'Afrique, pour justement aujourd'hui déposséder le peuple de leur culture et de leur identité? Nous sommes venus aujourd'hui récupérer le patrimoine qui nous a été volé, ce qui nous a été pillé, ce qui nous a été dépossédé. Des musées coloniaux aujourd'hui existent sur toute la sphère territoriale occidentale des pays européens et occidentaux. Notre devoir est de vous appeler à la justice. Notre devoir est de vous appeler à la solidarité humaine. Notre devoir est de vous appeler à la dignité. De comprendre que les femmes, les hommes furent tués, massacrés, violés pour que ces artefacts et ces patrimoines puissent traverser des océans et venir ici résider dans vos musées. Nous posons la question de la dignité. Nous posons la question aujourd'hui à vous, mesdames et messieurs. Que feriez-vous lorsqu'un voleur rentre chez vous, pille, viole et amène ce qui appartient à votre famille, ce qui vous appartient? Que feriez-vous? C'est cette question aujourd'hui que nous mettons sur la table. C'est cette question que nous demandons à chacun et à chacune d'entre vous de se poser. Car cette question doit être posée. Devons-nous continuer dans ce monde frappé par des inégalités, des injustices, où certains se considèrent les plus évolués, les plus civilisés d'entre nous, où certains se permettent aujourd'hui le luxe de pouvoir donner des leçons morales à qui bon le semble? Alors nous sommes venus en toute pacifisme, avec un esprit très pacifique, avec un esprit très élégant, avec un esprit de dignité, pour poser la question à la société occidentale, pour poser la question aux sociétés, notamment américaines. Aujourd'hui, que feriez-vous lorsque quelqu'un rentre? Venez, on est à Marseille. Venez chez vous. Que feriez-vous? Quel serait votre agissement? On est au musée africain de Marseille. Alors je suis venu, nous sommes venus. Venez. Venez nombreux, venez, on vous attend. Noire africaine, pour vous dire. Ils ont bloqué les sorties. Pour vous, d'amorcer ces gestes de dignité. Ils ont bloqué les sorties, donc venez. Les citoyens français, de vous inviter. Venez en masse. En masse. Pour nous rétrocéder. Venez envahir l'entrée du musée, on vous attend. Pour avoir accès à cette richesse. Allez, venez, venez. Nous voulons la restitution de nos objets. Nous refusons la sortie. Parce que nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Ce qui nous revient de droit. Parce que c'est le produit fini, comme vous le voyez, d'un savoir, d'une intelligence parfaite. Et il doit être respecté. N'est-ce pas ici, dans les sociétés occidentales, il y a des lois. Des lois qui permettent aujourd'hui de protéger la propriété intellectuelle. Des lois qui permettent aujourd'hui de protéger, si vous voulez, votre propriété, votre savoir-faire. Alors pourquoi bafouer les savoir-faire des autres? Pourquoi bafouer ces patrimoines des autres? Pourquoi bafouer ces fruits de notre intelligence? Pourquoi violer notre droit inaliénable de disposer de nous-mêmes, de disposer de notre patrimoine culturel, de disposer de notre patrimoine historique pour transmettre à nos enfants les savoirs de leurs pères, les savoirs de leurs ancêtres? Que beaucoup des criminels, que beaucoup de colonisateurs et de prévaricateurs ont jugé comme étant des gens sous-développés, des gens non civilisés. Que feriez-vous? Nous sommes venus restaurer la dignité de notre peuple bafoué. Nous sommes venus restaurer la dignité de notre mère patrie, l'Afrique, de tout le peuple, de l'Océanie, de l'Australie, de l'Amérique et de l'Asie, qui aujourd'hui dépossédés de leur patrimoine et de leur richesse, les étudiants qui doivent faire des parcours administratifs au niveau des chancelleries et au niveau des compagnies d'aviation pour venir voir justement ce qui appartenait à leurs ancêtres et qui leur appartient de droit. Voilà, nous sommes là, nous ne sommes pas venus, comme vous le savez, casser, violer, bannir, tuer, mais nous sommes venus récupérer. Récupérer parce que entre les voleurs, entre les prévaricateurs et les propriétaires, qui dispose du droit? Qui dispose du droit de garder son patrimoine? Qui dispose de ses droits? Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer ces patrimoines qui aujourd'hui
dans vos musées démontre encore la suprématie des sociétés occidentales, la suprématie de l'homme et de la femme sortis du Nord sur l'homme sorti du Sud. Je parle là de l'homme sorti notamment de ce pays que vous catégorisez de Sud et sous-développé, notamment de l'Australie, de l'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'Afrique, notre mère patrie. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Nous sommes venus pour amener cela à la maison afin que nos enfants puissent, comme vos enfants, avoir accès à ces savoirs, avoir accès au patrimoine de leurs ancêtres, être dignes de leur patrimoine, car c'est lui qui dispose des véhicules, c'est lui qui dispose des blindés, c'est lui qui dispose des bâtiments, oh combien beau construit, c'est son patrimoine. Mais nous, nous ne disposons que de ça. Permettez à nos enfants d'être fiers de ce que leurs ancêtres ont accompli. Permettez à nos enfants d'être fiers de ce que nous avions fait dans les siècles précédents. Impliquez-vous et faites pression à vos dirigeants pour que commence aujourd'hui le processus venez, de la restitution. Parce que nous venez, 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 de la récupération de notre patrimoine, la récupération de ce qui nous appartient. J'ai aujourd'hui la responsabilité morale. La responsabilité morale de refuser d'obéir à toute loi injuste. Monsieur le juge, je sais que devant vous, c'est la question que vous me poserez, vous savez pourquoi. Mais j'ai la responsabilité aujourd'hui de refuser cette loi. Parce que cette loi permet justement à la colonisation de perdurer. Permet justement aux prévaricateurs de continuer son œuvre. Permet justement aux pilleurs et aux receleurs de continuer leurs entreprises. Mais aujourd'hui, tout notre patrimoine qui doit être transmis aujourd'hui, être fièrement et dignement gardé chez nous, a été évacué vers d'autres cieux. Nous avons été dépossédés de tout, jusqu'à preuve où les prévaricateurs et les criminels, les colons ont dit que nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fabriqué, nous sommes des singes descendus des arbres. Mais aujourd'hui, comment ces paradoxes, d'où nous qui sommes descendus des arbres, nous qui ne savons rien faire, vous avez pris notre patrimoine et gardé chez vous. Vous avez pris notre patrimoine pour enseigner à vos enfants, pour leur montrer ce qu'était l'Afrique. Alors que nous, nous devons en disposer. Le peuple de l'Océanie, le peuple de la Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous ont été dépossédés. Et j'en appelle à votre sens très élevé de l'humanisme. J'en appelle à votre sens très élevé de la dignité pour que de nos côtés, vous puissiez condamner avec vous ces crimes, avec nous, pardon, ces crimes odieux. Que vous puissiez, vous, citoyennes françaises et citoyens français, citoyens de l'Europe, de ne pas être complices, complices de ces actes horribles qui ont été commis, de ces actes qui ont été perpétrés ici, de ne pas être complice et de donner votre mot. Parce que toute personne humaine doit trouver en lui une force pour approcher celui qui fait le mal et les condamner. Trouvez en vous cette force, parce que je sais, à chacun d'entre nous, il y a cette énergie de la dignité, du respect, de l'égalité et de la justice qu'il y a à chacun d'entre nous. Puisez à votre intérieur et à nos côtés. Condamné, ce n'est pas vous, mais ce sont cette minorité oligarchique des prévaricateurs qui s'est donné le luxe d'humilier, de violer, de bafouer, de massacrer des peuples, de détruire des cultures. Alors qui sommes-nous devenus? Qui sommes-nous devenus sans culture? Qui sommes-nous devenus sans identité? Qui sommes-nous devenus? Qui sommes-nous devenus sans patrimoine? Que dirais-je à mes enfants? Que dirais-je à mes petits-enfants? Qu'étaient mes ancêtres en 1800? Qu'étaient mes ancêtres en 1700? Donnez-nous la possibilité aujourd'hui de pouvoir dire à nos enfants ce que nos pères, ce que nos mères ont réalisé. Afin que règne sur la table de la discussion entre les peuples, entre les cultures, l'égalité, le respect et la considération de l'identité. Venez. Car c'est ça Venez à Marseille. Nous sommes venus ici à Marseille là, justement parce que vous savez le rôle que la ville de Marseille et de Paris ont joué dans l'identité nationale de la France et dans l'identité, si vous voulez, même dans les récits historiques de la France. Alors nous étions au Quai Branly, capitale politique de la France culturelle. Nous sommes allés à Paris au musée de Quai Branly pour répondre à ce qui nous appartenait. Et nous sommes venus à Marseille pour que cet acte reste à jamais gravé dans la mémoire de plus d'un. Pour que vous chantiez, vous qui êtes en France, cet acte comme l'hymne national de la Marseillaise. Pour que vous compreniez que c'est la dignité, la détermination de toute une génération, de tout un peuple qui se décide aujourd'hui de sortir, de briser l'opprobre, de briser l'humiliation, de briser aujourd'hui les insultes et de regarder tête haute en avant. Nous avons voulu aujourd'hui non repartir vers le passé, mais de redresser notre front longtemps courbé. Car les enfants d'Afrique ont été brisés, car les enfants de l'Océanie ont été brisés, car les enfants de la Nouvelle-Calédonie ont été brisés, car les Amérindiens ont été brisés. Vous comprenez ces paradoxes
que les États-Unis d'Amérique, qui constituent l'une des plus grandes démocraties au monde, aient massacré, expiré, exterminé, j'allais dire, tout le peuple américain. Aujourd'hui, les Indiens d'Amérique, une grande partie, vivent même, si j'ose dire, dans des casernes, dans des réserves. Est-ce digne d'une grande démocratie comme les États-Unis d'Amérique? Alors nous refusons de disparaître. Nous refusons de disparaître. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour récupérer notre patrimoine. Parce que durant des siècles, vous avez payé l'argent. Durant des décennies, vous avez payé l'argent pour entrer dans ces musées. Aucun franc, aucun euro n'a été reversé aux propriétaires de ces œuvres. Eux qui ont pris le temps de produire ces œuvres finies. Oui, c'est aussi les beaux yeux de certains, c'est aussi l'apprentissage pour vos enfants. Mais aucun sou ne nous est reversé. Alors nous sommes là pour plaider aujourd'hui la justice, pour plaider l'égalité. Au nom de l'unité, la dignité, le courage. Au nom de la Ligue de défense des droits de l'homme, de la Ligue de défense noire africaine, nous sommes venus dans un état d'esprit pacifique pour poser sur la table de la société française ces questionnements. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Est-ce que sur le plan de l'éthique, c'est une aisance de donner raison aux prévaricateurs? C'est une aisance de donner raison aux voleurs? C'est une aisance de donner raison aux pilleurs? Est-ce sur le plan de la morale? Est-ce sur le plan de la religion? Est-ce sur le plan du civisme? Est-il acceptable de donner raison à ceux qui ont massacré, violé, pillé et ont amené ici comme des trophées ces œuvres-là que nous tenons? Alors permettez à ce que nous rentrons chez nous. Nous rentrons chez nous en toute dignité. Nous rentrons chez nous avec notre environnement immédiat, avec notre environnement lointain. Parce que ceci remonte à nos ancêtres les plus lointains. Nous sommes partis de l'Afrique. Nous avons peuplé l'Amérique, nous avons peuplé l'Océanie. Ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors l'humanité, je vous interpelle. L'humanité, je vous interpelle. C'est vous qui êtes le vrai juge. Ce n'est pas là où on va nous amener tout de suite. Mais le vrai juge, c'est vous, l'humanité. Si la justice française me condamne, vous savez que autrefois Martin Luther King fut condamné. Autrefois Nelson Mandela fut condamné. Autrefois Malcolm X fut condamné. Autrefois Winnie Madikizela Mandela fut condamné. Redonnez. Autrefois Simon Kimbangu fut condamné. Redonnez. Autrefois Béanza fut condamné et déporté. Autrefois tous ceux que vous connaissez, tous ces grands hommes et toutes ces grandes dames ont été condamnés. Mais la justice a fini par consacrer dans vos consciences, dans vos âmes, qui étaient dans la voie de la vérité. Je paierai le prix, nous paierons le prix avec mes camarades s'il le faut. Mais que la voix de la dignité résonne, que la voix de la justice résonne, que la voix de l'égalité résonne. Dites à vos enfants là où ils sont de se mettre debout. Dites à vos enfants, c'est une occasion donnée au peuple européen de purger sa mémoire. De purger sa mémoire parce que vous avez été entraîné durant des siècles, pendant des siècles d'ignominie, de mensonges, où à votre nom, les gens ont volé, les gens ont violé, les gens ont tué. C'est une occasion aujourd'hui que l'on vous donne pour purger vos mémoires. Et c'est une occasion, toi qui nous suis en ce moment, dis à ton frère et à ta soeur qui est à tes côtés que nous sommes debout, que les fronts courbé du peuple africain, du peuple noir de partout, est aujourd'hui redressé. Car c'est en toute dignité que nous sommes venus aujourd'hui récupérer ce qui nous appartient. Que nous sommes venus aujourd'hui récupérer ce qui est le patrimoine légué par nos ancêtres, en toute élégance et en toute fierté. Dites-leur que nous sommes debout et nous marcherons vers la voie de la libération. Nous marcherons en toute élégance pour que la justice rayonne, pour que la flamme de la justice rayonne. Nous ne sommes pas là, nous, pour nous venger. Nous sommes là pour conduire l'humanité vers le beau chemin de ce que nous avons appelé Bumuntu Ubuntu, comme le président Wole Sassa Nelson Mandela nous l'a montré. Nous savons donner un visage humain à cette société humaine qui est aujourd'hui défigurée, qui est aujourd'hui qui a perdu son aisance, d'où l'exploitation de peuples devenus monnaie courante, d'où la domination sur des peuples devenus monnaie courante, d'où les injustices et les inégalités triomphent. Alors nous sommes venus trouver en vous cette force intérieure, trouver en vous cette force pour condamner tout celui qui fait le mal, trouver en vous cette voie de la dignité. Je sais qu'à chacun d'être humain, à chacun d'entre nous, il y a cette flamme de la justice qui réside. Brillez avec cette flamme pour condamner justement. Nous, si nous sortons, vous rentrez. Si nous sortons, vous rentrez. Nous voulons sortir d'ici pour rentrer chez nous. Nous voulons sortir pour ramener ce qui nous appartient. Nous voulons sortir. Alors ouvrez la porte. Alors ouvrez la porte. Non, on sort avec. C'est pas à vous. Nous aussi. Qui appartient aux peuples opprimés? Qui appartient aux peuples qui ont été dépossédés? Qui appartient aux peuples qui ont été déshabillés de leurs habits et de leurs vêtements culturels? Qui appartient à tous ces peuples-là qui ont été humiliés? Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Voilà pourquoi Des voleurs. Nous sommes venus
C'est vous les voleurs. C'est qui nous appartient. Nous sommes venus aujourd'hui pour que l'humanité entière comprenne que plus jamais, nous n'accepterons l'indignité, nous n'accepterons l'irrespect, plus jamais. Nous sommes venus justement pour récupérer ce qui nous appartient. Comme d'habitude. Nous sommes venus aujourd'hui pour récupérer ce qui nous appartient. Notre peuple a été dépossédé de son patrimoine. Notre peuple a été dépossédé. Prenez de l'eau. N'oublie pas de mettre ça. Si vous rentrez, tu dis à Romain de prendre la relève et de couper. Nous sommes à Marseille. Nous sommes à Marseille. Je reste avec mon camarade de lutte. Bonjour. La police. Par contre, je vous demande de poser l'arme, s'il vous plaît. Non. C'est pas une arme. Oui, mais ça, il faut toucher. Ça peut rentrer. Non, c'est pas une arme. Vous la posez. Touche le toi aussi. Comme ça, on ne peut pas toucher. C'est une œuvre. Il n'y a pas de souci, monsieur. Vous la posez pour ma sécurité. Il a déjà touché sa main. Pour ma sécurité à moi. Alors. Non, vous la posez, vous devez la poser. Pour votre sécurité. Monsieur, les tenez. Ben, je vais le tenir. Tenez. J'ai la force. Vous avez une arme. J'ai posé la force sur les militants. Merci.